Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourraient pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura de pleurs et de grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendra place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi. Chers frères et sœurs, le texte biblique de ce dimanche nous révèle un Dieu qui veut rassembler tous les hommes et les femmes, car il est un Dieu pour tous. Et cette bonne nouvelle est adressée à nous tous aujourd'hui. Dès le commencement, Dieu veut nous rassembler et nous rendre heureux. Il ne nous abandonne jamais. Il voudrait nous offrir le salut gratuitement. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations compliquées, subies ou voulues. Nous vivons dans un monde qui est perpétuellement en mutation. Nous vivons dans un monde qui n'ose plus manifester sa foi publiquement, soi-disant, par la liberté de la religieuse, au nom de la liberté religieuse. Nous vivons dans un monde qui cherche notre rassemblement par l'Internet, qui cherche toujours des réponses immédiates de notre vie. Nous perdons totalement la culture de la patience. Nous vivons dans un monde qui subit tout genre de la violence. Et nous vivons dans un monde plein de cohérence. Devant tout cela, Dieu est toujours là. Il nous aime et il veut nous sauver sans exception. C'est ce que nous faut comprendre les messages d'Isaïe dans la première lecture. Les messagers du Seigneur annonceront ma gloire parmi toutes les nations. La gloire de Dieu, c'est le salut de toute l'humanité, c'est-à-dire salut pour tous. L'amour passionné qui est en Dieu se manifeste dans la deuxième lecture. Et rien ne peut empêcher cet amour filial de Dieu comme un père qui aime chacun de ses enfants. Dieu est toujours là pour nous réélever. L'important, c'est de ne jamais oublier qu'il nous aime tous infiniment. Son grand projet, c'est de nous rassembler tous dans son royaume.
pour entrer dans ce grand rassemblement de le royaume de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous indique les chemins à suivre. Efforcé d'entrer par la porte étroite, nous dit Jésus. Entrer dans une porte étroite veut dire entrer dans un chemin de conversion. Et si on parle de conversion, ce n'est pas d'aller à la messe tous les dimanches seulement. C'est bien cela, mais ce n'est pas suffisant. Ce que Jésus veut dire pour nous, c'est une vraie conversion du cœur, de vivre l'amour. Et ça commence autour de nous, autour de notre prochain, ou du moins savoir dire du bien des autres. Quelquefois, si on demande quelqu'un, nous avons beaucoup de choses à dire sur les autres que sur nous-mêmes. Et toujours quelque chose de mauvais. Jamais on n'arrive pas à dire quelque chose de bon sur quelqu'un. Mais les choses qui m'ont étonné beaucoup dans notre vie, si quelqu'un est mort, on dit toute la bonne chose positive. Il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Tout est positif. Mais au moment qu'il est vivant, on ne voit jamais cela. Pourquoi on attend qu'il va mourir pour dire tout cela? Ce sera mieux de le dire de maintenant que tu es bon. Pour entrer alors dans cette porte étroite, nous devons nous libérer de nos faux privilèges, de nos honneurs trompés, de nos égoïsmes, de la haine qui envahit notre société, de nos prétentions orgueilleuses qui encombrent notre vie. Nous devons les laisser derrière nous, car nous sommes tous appelés à être missionnaires pour témoigner par nos paroles, par notre vie, et marcher vers cette porte étroite avec amour. C'est cet amour qui nous fait entrer par la porte étroite, qui est la porte de la miséricorde. Ça c'est écrit comme ça, porte étroite, dans l'écran, large miséricorde. Et cette porte de la miséricorde, loin de la haine sans partage. Le vrai Dieu est un Dieu pour tous. En réalité, ce n'est pas la porte qui est étroite, mais c'est notre cœur qui est fermé. Il ne veut pas s'ouvrir aux autres. Et le pape François nous a demandé d'aller vers la périphérie. Mais aller vers la périphérie, ce n'est pas facile. Cela demande des changements de vie, de quitter tous nos conforts. Cela demande aussi une grande conversion et une grande ouverture, un sacrifice de notre part. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Décharger notre habitude, d'échanger notre manière de voir le monde. Encore une fois, cette porte étroite, c'est celle que Jésus a franchie en mourant sur une croix et en ressuscitant. Il a ouvert un passage vers la vie au royaume éternel. Un jour, il a dit, je suis la porte des brebis, et celui qui entre par cette porte, et celui qui entrera par moi sera sauvé. Et lui aussi l'a dit, je suis le chemin et la vérité. Notre entrée au royaume dépend donc de la place que nous donnons au Christ dans notre vie. D'une autre manière, on peut dire que c'est le Christ qui est notre GPS. Chez nous,
Si on va aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, on part. Et on demande quelqu'un à route, où est tel endroit, est-ce que vous pouvez me dire, je vais à tel endroit. Mais ici ou ailleurs, dans un pays soi-disant développé, on emploie les GPS. On écrit les points de départ et les points d'arrivée et pouf, on part. Et c'est ça comme ça. C'est le Christ toujours, c'est lui qui est notre GPS. C'est lui qui nous guide chaque jour dans les chemins que nous ne savons pas. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler la fameuse phrase de notre papa Saint Jean-Paul II. À son élection comme pape, il a dit comme ça: n'ayez pas peur, ouvrez à Jésus-Christ. Ouvrons notre cœur afin que Jésus puisse nous guider vers le royaume de son Père, car nous ne pouvons entrer tout seuls sans lui. Et pour terminer, nous allons nous tourner vers Marie pour lui demander de nous accompagner vers les vrais chemins, car c'est elle qui est la première en chemin avec l'Église en marche. Marie, aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui nous retarde notre marche à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Amen.